y a un jeu au ruban, c'est un jeu très lyrique. C'est la main droite qui donne la hauteur de la note. C'est la main gauche qui donne les nuances, avec cette touche très sensible. Il y a aussi un jeu au clavier. Le clavier est mobile, comme vous le voyez. Il permet un vibrato. Sur le tiroir, on a aussi à disposition différents timbres possibles. Le timbre onde, le timbre lyrique. Timbre creux. Un timbre nasillard. Et un timbre dit octavian. Des diffuseurs extrêmement étranges, dont un qui s'appelle la palme. Pour respecter les œuvres écrites et les sonorités particulières de ces diffuseurs Martenot, j'ai trouvé à l'oreille des effets logiciels qui s'en approchent et que j'utilise depuis avec l'Ondea. Un instrument si sensible et si subtil que ça peut développer une sensibilité extraordinaire chez le musicien. Ça peut donner parfois l'impression que c'est un prolongement direct de la pensée. Voici un instrument qui s'appelle le térémine. Ça a été inventé dans les années 20. Alors le principe, quand j'approche ma main de cette antenne, je fais varier la fréquence. Et avec cette antenne ici, de la main gauche, je joue sur les nuances. Alors voici une de mes compositions, amicale. Thank you.
c'est un instrument qui s'appelle le térémine. Alors, le principe, c'est la variation du champ magnétique.